De ballon en 3 minutes. D'accord. Ouais. Donc là, il faudra. Donc ça veut dire qu'on a dit les bleus et les rouges contre les verts. Même Tarek. Thank you.
Quoi pour pouvoir jouer en passe? Les bleus, je veux que les bleus. Je veux que les bleus. Il s'est démarqué. Il s'est démarqué. Il s'est écarté. Il s'est écarté. Très bien. Très bien. Il s'est écarté. Il s'est démarqué. Quoi d'autre? Il va faire des déplacements. Oui, il s'est écarté. Mais il y a quelque chose que je veux entendre. Non, les rouges. Je veux pas les rouges, je veux les bleus. Qu'est-ce qu'il les appelle? Quelque chose de oblique qui fait que les rouges ont réussi à garder le ballon longtemps. Et vous ne devez pas de rouge. Oui, mais comment ils ont fait pour conserver? Oui, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour pas dribbler? Ils ont bougé. Oui, mais c'est pas ça. Oui, Abda. Ils ont attiré par un côté, après ils jouaient par l'autre. Ça, c'est très bien, mais ça, ils l'ont fait. Mais comment ils l'ont fait? Alors, je vous explique qu'est-ce qu'ils faisaient les rouges. Ça veut dire que les rouges, avant même de recevoir le ballon, ils savaient déjà avec qui ils vont jouer. Avec qui ils allaient jouer. Ça veut dire que quand on avait Noah dans les buts, qu'Ibrahima donnait le ballon à Noah, Noah quand il demandait le ballon à Ibrahima, Noah savait déjà qu'il allait jouer avec Charlie. Charlie savait déjà qu'il allait jouer soit avec Kiara, soit avec Naïm, soit avec Chris. Charlie savait déjà que si c'est fermé, il fallait rejouer avec Ibrahima. Ibrahima savait que si Charlie met le ballon, il fallait qu'il touche automatiquement Noah ou Elio. Elio savait que si c'est fermé, il fallait qu'il ressorte avec eux, Ibrahima. Ibrahima il sait que si. Noah, Mouilly ou lui-même, il faut qu'il aille voir Charlie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux, ils ont vu avant de recevoir le ballon. Avant même de recevoir le ballon, ils savaient déjà où allait aller le ballon. D'accord? C'est ça le football. Ça veut dire que si Laurie me demande le ballon, si je lui mets le ballon, tu dois savoir avec qui tu vas jouer. Ou ce que tu vas faire avec le ballon. Tu vas te retourner, dribbler, frapper. Tu vas te retourner, dribbler, donner. Sans sortir le jeu, vous devez savoir déjà ce que vous allez faire avant même de regarder le ballon. C'est pour ça que je demande avant de recevoir le ballon, vous devez regarder déjà. C'est-à-dire que si je vous demandais la balle, initiez le ballon. Evans, moi, au moment où je vais demander le ballon à Elif, je dois savoir avec qui je vais jouer. Donc moi, je sais que je joue avec Evan. Quand je redemande le ballon, je sais que je vais la mettre là. Si je redemande, je sais que je vais la mettre là. Je sais où c'est le coup. D'accord? C'est important de vous enregistrer ça pour mercredi.